Welcome to all of our online viewers for this webinar. Bienvenue à tous nos auditeurs en ligne pour le webinaire d'aujourd'hui. Plus de 100 personnes se sont inscrites de tous les continents et d'autres vont nous rejoindre pour ce lancement diffusé sur Facebook et YouTube. Nous aimerions savoir d'où vous nous écoutez, le pays, la ville, pour qu'on se fasse une petite idée de nos auditeurs. Alors, cette réunion est disponible et traduite en français, anglais, espagnol, langue des signes. L'interprétation en langue des signes sera assurée par Oliver et Maya. Vous les voyez à l'écran aujourd'hui. Donc, vous avez ce menu déroulant en bas à droite. Vous choisissez la langue de votre choix. Et par ailleurs, les liens, les hyperliens seront mis à disposition pour les biographies des intervenants tout au long de la réunion dans le chat ainsi que certaines des présentations qui seront faites. Donc, gardez bien un œil sur le chat et n'hésitez pas à participer. Effectivement, nous voudrions que cette réunion soit aussi interactive que possible, aussi vivante que possible. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie questions-réponses du Zoom ou dans le chat en bas à droite sur votre écran. Nous reprendrons certaines de ces questions dans la partie questions-réponses, Q&A, donc n'hésitez pas. Alors, cette réunion est organisée par le GEM, donc la réunion sur l'éducation, et nous allons vous aider et aider surtout les décideurs à renforcer les systèmes de suivi, tout ce qui est nécessaire pour nous doter d'inclusivité dans l'éducation et la protection de la petite enfance. Cette cause doit être une priorité nationale. C'est important pour les enfants, pour leurs familles également, pour les États. Et cela leur apporte bien-être et qualité de vie. Donc, nous sommes là pour mettre les enfants sur une trajectoire d'éducation de succès. Et pour les étés, système pré-école ou pré-primaire de qualité très importante pour réduire les écarts d'équité, pour briser le cercle des inégalités. Et ceci renforce l'efficacité et l'efficience des systèmes d'enseignement, promeut la croissance économique et cela nous donne un socle solide pour les générations à venir. L'ODD4 fait de cela une priorité. Mais aujourd'hui, de nouveaux rapports nous montrent qu'il y a trop d'enfants qui ne sont pas scolarisés en pré-primaire. Que doivent faire les gouvernements pour atteindre 50% des enfants de 3 à 5 ans qui ne sont pas en pré-primaire et notamment ceux qui ont besoin d'un soutien complémentaire pour pouvoir se rendre à l'école? Comment nous, en tant que communauté d'éducateurs, pouvons-nous faire en sorte que ceci se développe dans les années à venir, qu'il y ait des programmes de qualité et qui répondent aux besoins réels des enfants? Il y a encore beaucoup à faire pour continuer à améliorer l'accès aux pré-primaires. Il faut absolument le faire pour permettre aux enfants d'exprimer tout leur potentiel et aider les familles. Pendant ces 90 minutes, nous allons avoir deux présentations très importantes qui sont des présentation très importante avec la nouvelle stratégie de partenariat qui va voir le jour à l'automne. C'est un nouvel agenda pour aider les gouvernements à surmonter ces obstacles pour vraiment aider au mieux les enfants en leur offrant ces services d'éducation et de protection de la petite enfance. Et tout d'abord, c'est le professeur Carmen Dion de l'Université de Québec à Trois-Rivières qui est titulaire de la chaire UNESCO sur la petite enfance et également Dragana Stretenov, ancienne chef d'équipe senior à Open Society Foundation. Toutes deux, nous présenterons les conclusions, les recommandations du rapport sur une CC inclusive de l'engagement à l'action et comment donc agir au mieux pour les enfants dans cette optique. Merci Carmen, c'est à vous.
OK, good. Je désire avant toute chose remercier l'UNESCO pour cette possibilité de discuter et de réfléchir ensemble pour faire de l'inclusion une réalité pour tous les enfants, et ce, dès le départ. Permettez-moi aussi de remercier les membres de la chaire UNESCO en petite enfance, intervention précoce inclusive, pour leur contribution, ainsi que les multiples collaborateurs professionnels et étudiants ayant rendu ce travail possible. Je souhaite également remercier la Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières et les Fonds de recherche du Québec pour leur soutien. L'inclusion embrasse une vision de la diversité, non pas comme un problème à résoudre, mais comme un levier pour une justice sociale et l'équité. À la question « Quel est l'accès à l'éducation pour la petite enfance? », force est de constater qu'encore aujourd'hui, pour de trop nombreux enfants, cet accès est limité en raison de leur handicap, de l'origine ethnique, des conditions socio-économiques, de la situation géographique, de la langue maternelle, du genre, du statut de réfugié ou de déplacé, ou d'un contexte de crise humanitaire. De plus, les effets de la pandémie ont amplifié cette difficulté d'accès. Il est donc nécessaire, aujourd'hui plus que jamais, d'intensifier de façon significative les actions concrètes pour assurer aux jeunes enfants un droit à une inclusion dans l'éducation. Et c'est dans cette perspective que cette publication a été pensée afin de soutenir l'action des divers intervenants impliqués et engagés à réaliser l'inclusion dès la petite enfance. Ces personnes sont invitées à saisir les nombreuses occasions de traduire en actions concrètes cette vision inclusive. Les idées présentées ici visent à inspirer et à soutenir les actions requises immédiatement pour garantir à chaque jeune enfant un accueil et une éducation inclusive. Des exemples inspirants sont partie intégrante de la publication. Exemples que vous pourrez voir identifiés en bas des messages clés de cette présentation. La réussite de l'inclusion repose sur un ensemble d'actions multisectorielles et intersectorielles menées par les décideurs politiques, les personnes chargées de mettre en œuvre les politiques et les acteurs de l'éducation, sans oublier les familles, bien entendu. Il est nécessaire d'instaurer un meilleur dialogue ainsi qu'une meilleure coordination entre ces niveaux d'action pour générer un plus grand impact. C'est pour cette raison que des messages clés s'adressent à chacun de ces niveaux. D'abord, il faut améliorer l'accès à une éducation inclusive et de qualité pour les enfants les plus marginalisés, grâce à des politiques de diversité intersectorielles et à une législation non discriminatoire. Il faut s'assurer que, dans un contexte d'urgence sanitaire où tous sont touchés, ceux déjà marginalisés et exclus ne soient encore plus affectés. La perspective holistique de l'éducation et de la protection de la petite enfance demande d'élaborer, d'adopter et d'évaluer les politiques intersectorielles. La phase de planification est particulièrement déterminante afin de s'assurer que le travail réalisé dépasse la simple coordination des efforts sectoriels. Des actions sont requises pour soutenir la mise en œuvre des politiques par les programmes et structures d'éducation et de protection de la petite enfance en augmentant la mobilisation des ressources régionales et locales et en intensifiant la collaboration entre les partenaires intersectoriels. Cette collaboration ne pourra se faire sans adopter une approche centrée sur la famille. Les programmes utilisés, les activités proposées ou encore les moyens de communiquer privilégiés doivent considérer la diversité des familles et être compatibles avec l'environnement familial, ses ressources, ses routines et sa culture. Il est impératif d'évaluer l'inclusion et sa qualité dans les programmes et structures d'éducation et de protection de la petite enfance. Cette évaluation doit permettre d'identifier des cibles d'amélioration des pratiques, d'ajuster les stratégies d'implantation et d'en apprécier les effets. Parmi ces pratiques, on retrouve bien entendu les approches éducatives qui permettent de répondre aux besoins de chaque enfant.
La prise en compte des besoins individuels doit être la norme. Reconnaître la diversité des besoins de chaque enfant, c'est aussi reconnaître la diversité des moyens et des méthodes d'aide à l'apprentissage. Dans cette perspective, l'accent est mis non pas sur ce qui distingue les enfants, mais plutôt sur un continuum de stratégies et d'intensité de soutien visant à répondre aux besoins développementaux de tous et de toutes. Puisque l'approche inclusive mise sur des pratiques différenciées, il est crucial de bien connaître les besoins de chaque enfant. Ainsi, pour les jeunes enfants, l'évaluation de leur développement est nécessaire pour guider la planification des adaptations visant à répondre aux besoins de chacun. Les évaluations authentiques présentent une grande utilité alors pour l'intervention. De même, afin de mieux soutenir l'enfant, sa famille et ses milieux de vie au sein d'un environnement inclusif, le dépistage précoce des difficultés développementales ou d'apprentissage, et ce, en collaboration avec la famille des enfants, s'impose. Bien connaître les besoins des enfants, c'est aussi comprendre l'importance de préparer et d'accompagner les transitions qui jalonnent leur parcours et constituent des étapes charnières justifiant une sensibilité accrue. Afin de soutenir l'ensemble de ces actions, il faut intensifier la formation initiale et continue des éducateurs en faveur d'une inclusion, en misant sur de nouvelles options de formation, impliquant différentes disciplines et secteurs d'activité. Le développement de contenus numériques dédiés aux ressources éducatives, aux gestionnaires, mais aussi aux parents, peut être encouragé à condition de prendre en compte les principes d'inclusion, d'équité et d'accessibilité. Finalement, la recherche doit accompagner ces actions en intensifiant les activités permettant d'évaluer l'état de l'inclusion et d'encourager les activités de recherche partenariale ou la production et la coproduction de connaissances pour la recherche de solutions novatrices est au cœur des échanges. En somme, le soutien au développement de la petite enfance doit être inclusif, accessible, de qualité pour tous, et prendre particulièrement en compte les besoins spécifiques de certains d'entre eux. L'ensemble des acteurs doit réaffirmer que l'inclusion n'est pas une option, mais un droit pour tous, y compris pour les jeunes enfants. Les décideurs politiques, les programmes et structures d'éducation et de protection de la petite enfance, les organisations non gouvernementales et humanitaires, les organisations internationales et les services éducatifs et communautaires sont tous invités à concevoir et financer des politiques intersectorielles qui rendent ce soutien possible. Et c'est précisément ce dont Dragana Strinova va nous parler. Alors, je lui cède la parole. Thank you, Carmen. And thank you, Sarah, for the introduction. Merci, Carmen, Marie, Sarah, de votre introduction. C'est vraiment un plaisir et un privilège de participer à cette réunion pour le lancement de cette publication. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants qui n'ont pas d'accès à ces structures de protection. Et dès que les enfants naissent, eh bien, il y a ces inégalités qui existent et si elles ne sont pas corrigées, elles vont persister tout au long de leur vie. Il faut de nouvelles actions, il faut de nouveaux engagements universels pour la fourniture de ces services et cela passe, entre autres, par un engagement de toutes les parties prenantes. Le PPE est l'investissement le plus valable, le plus précieux qui va avoir des retombées bénéfiques sur l'économie, sur la société, etc. Et le PPE va permettre à ces enfants d'aller à l'école le plus longtemps, ce qui leur permettra à leur tour d'aider leur famille et leur communauté. Le PPE, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une approche intergénérationnelle et c'est un retour sur investissement qui sera très précieux, car cet investissement, il est fait au service des enfants les plus vulnérables. Malheureusement, les enfants les plus pauvres, les plus vulnérables, sont ceux qui ont le moins de chances d'avoir accès à ces services de PPE.
investir dans ce domaine est essentiel. Et c'est vraiment ce développement de la petite enfance, quelque chose qui doit s'accompagner d'une évolution avec des critères clairs, des repères clairs, etc. Et le réseau qui est le PP, donc de l'éducation et protection de la petite enfance, c'est quelque chose qui, le montant représente 2,2% pour les pays à revenus moyens. Évidemment, il existe des orientations, des principes directeurs depuis longtemps au niveau du développement communautaire, sociétal, etc., mais les données disponibles qui ont été recueillis dans 26 pays pendant 10 ans, suggèrent que seulement 0,29% du PIB est consacré à ce secteur. Des recherches plus récentes, 2019 et 20, semblent suggérer qu'entre 2015 et 2017, le soutien financier à l'éducation pré-primaire a baissé de 27%. Et cela a concerné malheureusement des millions d'enfants, surtout les plus pauvres, ceux qui sont vulnérables ou qui ont des handicaps. La Open Society Foundation a commencé à publier des documents en 2020. Il s'agit de voir ce qu'il en est de la mise en œuvre d'un programme avec des bailleurs de fonds, des programmes qui sont financés notamment dans l'Afrique australe. Et il y a dans ces sociétés, dans ces pays, des besoins qui sont très importants. Il y a dans ces pays beaucoup d'enfants handicapés et d'enfants qui manquent des services les plus basiques. Il y a peu de bailleurs de fonds et très peu parmi ceux-là s'engage vraiment. Donc, il y a 0,1% d'APD qui a été consacré à l'ECCE en 2019 et 0,20% de cet argent donc est allé à l'EPPE. Donc, cet investissement financier dans l'EPPE est donc inadéquat, inadapté. La crise du COVID a fait peser une pression encore plus importante sur les ressources internationales et a eu des conséquences terribles sur les familles, sur les enfants et les jeunes enfants qui n'ont plus été considérés comme prioritaires. Et pourtant, ce stade de la vie de l'enfance ne peut pas attendre. Il faut donc mutualiser les potentiels, mutualiser les ressources et passer à l'action, car il y a une perte énorme au niveau des sociétés, des enfants. Le potentiel de ces enfants n'est pas utilisé du fait de ce manque de financement, de ce manque de priorisation de ce domaine ô combien important. Et ceci appelle à un engagement renouvelé, à une action immédiate de la part des bailleurs de fonds. Merci. Bien, merci beaucoup à Carmen et Dragana. Je rajouterais que ce rapport met en avant des recommandations très concrètes qui, si elles sont mises en œuvre, pourront faire un changement fondamental dans l'éducation à la petite enfance pour le rendre plus inclusif. Et il y a de nombreuses ressources très utiles dans l'appendice également. Passons désormais au rapport du GEM et de la responsable des analyses politiques, Anna Dadio, qui va nous parler de construire des sociétés inclusives grâce à une inclusivité dans l'éducation. Et ce rapport a été rédigé par l'équipe du rapport GEM et explique les raisons pour lesquelles l'accès de qualité et universel à l'éducation pour la petite enfance est encore un problème. Il explique quoi prioriser pour permettre aux enfants les plus marginalisés d'atteindre leur potentiel. Anna, à vous la parole. Merci beaucoup, Sarah. Je vais vous partager mon PowerPoint, ma présentation, si j'arrive à l'afficher. Est-ce que vous voyez ma présentation? Bien. As it has been just said,
Comme il vient d'être dit à l'instant, nous lançons aujourd'hui ce document d'orientation dont le titre est, bien dès le début, « Construire des sociétés inclusives grâce à une inclusion dans le PPE ». Ce document d'orientation soutient la stratégie du partenariat mondial pour la petite enfance et résume les étapes que les pays du monde peuvent prendre pour rendre l'éducation à la petite enfance inclusive et utile pour tous les enfants, peu importe leurs conditions, leur contexte socio-économique et leur handicap possible. Il est important de commencer par dire que dans ce document, nous avons adopté, comme dans le rapport de 2020, un concept large de l'inclusion qui avait déjà été adopté par l'UNESCO, sans exception. Tout le monde sans exception. C'est-à-dire que toutes les pratiques inclusives sont celles qui acceptent la diversité et permettent un sentiment d'appartenance. Elles sont basées sur la croyance que chacun a un potentiel qui doit être respecté. Et pour cela, la petite enfance est une étape clé de ce processus. Et nous savons que la cible 4.2 fait référence à l'inclusivité dans sa formulation lorsqu'elle parle de faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. L'engagement des pays concernant les ODD sur l'éducation reflète l'importance de cette étape de l'éducation. D'autres documents ont également exprimé cet engagement. Le deuxièmement, c'est le cadre sur l'éducation qui a été adopté à une assemblée de 2018 qui fait des opportunités d'éducation précoce des points importants. Et elle a également fait appel au gouvernement de concentrer leurs interventions de la petite enfance sur des groupes les plus exclus, marginalisés ou vulnérables d'autres manières. Il fait mention aux enfants en situation de handicap ou dans des situations humanitaires. Une autre initiative importante est la nouvelle stratégie du partenariat mondial pour la petite enfance qui sera lancée plus tard dans l'année, qui se concentre également sur l'inclusion. Et une des cinq stratégies repose sur l'augmentation de l'accès et à l'inclusivité, l'engagement pour les services de la petite enfance, les systèmes et combattre le travail des enfants reposer sur les normes. Malgré ces engagements, nous savons déjà, nous l'avons déjà entendu, que l'accès à l'éducation de la petite enfance est inégal. Et pourtant, c'est cet accès équitable à l'éducation qui est une précondition à l'inclusion. Nous savons que le taux de scolarisation était encore de 61,5% en 2019 mondialement, et un enfant sur quatre ne sont pas scolarisés avant l'âge d'entrée à l'école primaire. 4 enfants sur 10 ne sont pas scolarisés dans la période où les pays s'attendent à ce qu'ils le soient. Et seulement 3 pays sur 10 ont au moins un an d'éducation pré-primaire obligatoire. La participation varie énormément selon les facteurs socio-économiques et culturels, notamment concernant les normes de genre. C'est pourquoi il faut se concentrer sur cela et que c'est un des sujets de la cible 4.2.2. Les pays à revenu faible ou intermédiaire ont très peu d'éducation de petite enfance, moins de 2 enfants sur 3 qui vont à l'école avant l'âge obligatoire. Encore une fois, il faut souligner le fait que les plus vulnérables sont ceux qui risquent d'être laissés de côté. L'inégalité à l'accès à l'éducation de la petite enfance est encore répandue à travers le monde. Les taux de participation et les disparités existent entre les pays, entre les enfants les plus riches et les plus pauvres, par exemple. Dans certains pays,
tels que le Bénin, le Cameroun et le Mali, l'écart de participation à cette éducation entre les enfants les plus riches et les plus pauvres dépasse 60%. L'écart le plus grand se trouve en Macédonie. Les enfants les plus défavorisés n'ont pas accès à ce que les plus riches ont. Une étude récente sur les jeunes réfugiés et les demandeurs d'asile a décrit les réponses nationales comme étant très faibles. Les populations roms, particulièrement, sont celles qui ont le moins de chances d'accès à l'éducation préprimaire. Et selon le service des discriminations et une étude sur 9 pays, la participation à l'éducation de la petite enfance est de 53% pour les Roms. En Grèce, elle est de 28% contre 84% pour la population générale. L'éducation à la petite enfance a des bénéfices très importants pour le reste de la vie. Ce sont des occasions de développer des opportunités et permettre de sortir de la pauvreté. Il permet aux enfants de sortir de la marginalisation. Le document se concentre sur les retours sur le moyen et long terme de l'éducation de la petite enfance qui vont au-delà du simple fait d'avoir des meilleurs résultats scolaires et vont au-delà et sur toute la vie. La plupart de la recherche provient des États-Unis, mais il y a de nombreux autres pays, notamment à faible revenu, qui ont des études qui prouvent les bienfaits des programmes d'éducation à la petite enfance. Le suivi de cette éducation de la petite enfance est très important et c'est un investissement tout à fait nécessaire. Cependant, il y a trop peu qui est fait en ce moment concernant l'agrégation de facteurs tels que la localisation, l'âge, l'ethnicité et la langue maternelle. Concernant le handicap, parmi 51 pays de revenus faibles ou intermédiaires, aucun n'avait les données ventilées sur ce point, alors que c'est le cas de 31% pour l'école primaire. Malgré cela, l'éducation préprimaire est importante pour les enfants avec des difficultés d'apprentissage pour pouvoir les accompagner. De nombreux pays ont des travaux avec des équipes multidisciplinaires. Par exemple, c'est le cas en Bulgarie. Cependant, nous savons que dans les pays à faible revenu, il y a de nombreuses barrières et un goulot d'étranglement sur l'identification, qui est un point critique, car sans un cadre d'identification précoce, les enfants ne peuvent pas avoir accès aux services adaptés, même s'ils sont disponibles. Et cela augmente le risque de retard supplémentaire. Une autre question importante, c'est les législations et les politiques publiques qui doivent soutenir l'accès équitable à l'éducation de la petite enfance. De nombreux États à travers le monde s'engagent à rendre obligatoire au moins une année d'école pré-primaire et de le rendre gratuit, bien sûr, pour tous les enfants. Mais seulement 51 de ce pays sur 184 ont fait de l'éducation pré-primaire une obligation. Et même en Europe, il y a des variations entre la durée obligatoire et les modalités. Des pays ont des dispositions légales pour faciliter l'accès aux groupes défavorisés sur des bases de pauvreté, handicap, déplacement, ethnicité. Par exemple, au Cambodge, il y a des instructions pour l'éducation aux groupes de minorités ethniques qui sont disponibles enfin 5 autres langues que le Khmer. Au Cuba, par exemple, il y a des programmes pour les enfants en situation de handicap et également dans des pays européens comme la Croatie pour les enfants en situation de handicap, pour le Norvège pour les enfants les plus démunis et les pays qui soutiennent les enfants roms. Mais les mesures des gouvernements varient en termes d'ampleur. Les programmes doivent répondre aux besoins des enfants. Les programmes peuvent placer les fondements pour une meilleure compréhension mutuelle des différentes
communauté. C'est le cas, par exemple, en Nouvelle-Zélande avec le programme Te Whariki, qui a un cadrage biculturel qui encourage l'inclusion des apprenants autochtones. Et il y a des approches similaires dans d'autres pays, tels que la Finlande, par exemple. Cependant, il est important qu'il y ait un cadre cohérent avec des normes de qualité qui soient établies et qu'il y ait un suivi et qui soient mis en œuvre. De nombreux pays avec des revenus élevés l'ont déjà fait, mais les pays à faible revenu sont souvent en retard. Il y a deux facteurs pour ces programmes. Tout d'abord, la souplesse qui est importante pour l'éducation de petites enfances, par exemple, en Ouzbékistan, et il y a également le jeu. Il est également important d'avoir que la coopération doit être horizontale entre les secteurs du gouvernement, notamment parce que les ministères qui partagent des responsabilités administratives pour l'éducation de la petite enfance doivent collaborer pour identifier les besoins, échanger les informations et élaborer des programmes. Les enfants avec des besoins supplémentaires ont besoin de services intégrés. Cette collaboration horizontale, cependant, n'est pas suffisante. Il faut également une collaboration verticale entre le niveau gouvernemental qui assigne des responsabilités claires aux autorités locales. Et enfin, pour finir, et c'est un point important, pour mettre en œuvre les recommandations du rapport, il est important d'essayer de former les éducateurs sur ce concept d'inclusivité. Dans de nombreux pays à revenus faibles et moyens, les enseignants ne sont pas formés sur ce point. En Asie-Pacifique, il n'y a que le Vietnam qui a intégré l'inclusion dans ses formations au niveau pré-primaire. Les enseignants ont également tendance à manquer de qualifications ou à ne pas se sentir certain de comment gérer les populations vulnérables. Il faut donc développer des compétences particulières, comme celle de travailler avec des familles. Deux tiers de 426 interventions inclusives ont impliqué les parents. En conclusion, cette diapositive donc résume les différents messages que je vous ai partagés dans mes slides précédentes et vous pouvez nous aider à diffuser notre message qui est important pour construire les fondations pour le reste de la vie. Merci. Merci. Merci Anna. C'est très bien d'entendre que de nombreux pays ont déjà commencé à progresser vers la bonne direction. Les messages et les recommandations de ce rapport sont un véritable appel à agir et nous devrions nous y joindre pour reconstruire nos systèmes éducatifs au lendemain de la pandémie et notamment du fait que nous entrons dans la dernière décennie du programme 2030 il y a notamment l'objectif d'avoir au moins un an d'éducation obligatoire avant le primaire et peut-être même plus. J'aimerais rappeler aux participants qu'ils peuvent poster leurs questions publier leurs questions sur l'onglet questions-réponses qui est en bas de votre écran. Nous sommes vraiment ouverts à vos questions pour notre session de questions-réponses qui sera à la fin. Désormais, nous allons écouter Stefana Giannini, qui est directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, qui va nous parler du sujet et nous aider à comprendre pourquoi ces rapports sont importants pour les décideurs politiques dans leur construction des reconstructions des systèmes éducatifs après la pandémie. Stéphania, à vous la parole. Merci, Sarah. Au nom de l'UNESCO, naturellement, vous souhaitez, monsieur le ministre, chers collègues, chers partenaires, la bienvenue à ce dialogue de haut niveau au cours duquel nous lançons des nouvelles publications de l'UNESCO ayant les mêmes objectifs.
aider les décideurs politiques à construire des sociétés inclusives grâce à l'éducation et à la protection de la petite enfance. Et nous savons, nous tous savons ici combien les 1000 premiers jours de notre vie sont décisives pour notre bien-être futur. Et le message central de nos nouvelles études est que si nous démarrons sur les bonnes bases, nous avons de bien meilleures chances de construire des sociétés plus inclusives à long terme. Et permettez-moi de partager des réflexions et de continuer en anglais. It's not by chance. Ce n'est pas un hasard que l'ODD 4 inclut un engagement spécifique qui a déjà été rappelé dans la cible 4.2, qui est de s'assurer que toutes les garçons et toutes les filles aient accès à des activités de développement et des soins de la petite enfance et une éducation préscolaire. Ces programmes permettent d'égaliser les niveaux et d'identifier les besoins et les difficultés d'apprentissage de façon précoce et d'offrir un soutien adapté lorsqu'il est nécessaire. C'est un point important. Nos études confirment l'urgence d'un changement drastique dans nos approches. Et il s'agit de changer l'orientation des politiques, et donc il faut une volonté politique d'investir dans l'éducation à la petite enfance. La vérité, c'est que les enfants les plus défavorisés ont plus de risques de ne pas avoir l'opportunité d'avoir un bon début à leur éducation. Qui plus est, les prestations de services ont souffert de la pandémie. Aujourd'hui, l'UNESCO estime qu'au moins 35 millions d'enfants au niveau préprimaire souffrent encore des conséquences de la fermeture des écoles. Et plus cela va durer, plus ces conséquences seront fortes sur leur développement. La communauté internationale doit redoubler d'efforts pour atteindre tous les enfants, tout en prenant en compte les facteurs tels que les crises humanitaires, le handicap, l'ethnicité, le genre, la langue maternelle et la pauvreté, bien sûr, qui empêche encore tellement d'enfants d'avoir accès à une éducation, à une santé et à une protection sociale. L'inclusion, l'équité, la non-discrimination doivent constituer les principes qui doivent nous guider dans notre action aujourd'hui et également de façon générale dans le plan d'action de l'UNESCO avec ses partenaires. Nous savons ce qui peut faire la différence. Et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer pour créer cet agenda, pour mettre en œuvre nos politiques. Et la pandémie a montré qu'il y a un lien étroit entre l'éducation, la santé, la nutrition, la protection et le bien-être. Seules des politiques intersectorielles tenant compte de la spécificité des besoins. Et d'ailleurs, c'est la première des leçons que nous avons tirées de cette crise. Et il faut une meilleure formation initiale, continue. Tout cela est indispensable. La recherche doit jouer un rôle clé en soutenant et en évaluant les interventions. Ce cadre de partenariat est essentiel pour optimiser les ressources et pour faire progresser toutes les questions de l'EBPE. Il faut accélérer ce changement. L'UNESCO, avec ses partenaires, a lancé un processus l'année dernière pour développer un partenariat stratégique sous la houlette de la princesse Laurentine des Pays-Bas. Et cette stratégie de partenariat nous aidera à renforcer les cadres normatifs pour faire en sorte que le droit à l'éducation primaire soit intégré donc dans le concept plus général d'éducation et de bonne éducation. Cela nous permettra, avec des données, avec de meilleures mesures du développement de l'enfant, d'aller plus loin en mettant l'accent sur
la formation et le soutien aux éducateurs, autre volet très important, et cela ira main dans la main avec ce nouveau cadre de prise en compte des besoins de ces enfants. Nous sommes l'agence chef de file pour l'ODD 4 et donc nous devons tout faire pour atteindre la cible 4.2 des ODD. Les publications d'aujourd'hui nous donnent justement un socle pour ces initiatives, pour définir les priorités qui guideront les actions internationales et qui vont être lancées officiellement cette année. Et j'ai vraiment la grande joie de donner maintenant la parole à un grand champion de la cause de ces questions et notamment de l'UPPE inclusive. C'est son Excellence Simpson, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, territoire du Nord-Ouest au Canada. Mille merci à tous les participants pour votre passion et votre engagement. Merci infiniment à vous, Stéphania. Merci à tous ceux qui se sont exprimés au nom du Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. C'est un grand plaisir, un honneur que de vous accueillir pour le lancement officiel de ces deux nouveaux rapports de l'UNESCO. Ce sont des documents sur lesquels nous allons pouvoir construire un nouveau partenariat stratégique GPS, donc qui sera officiellement lancé à l'automne. C'est quelque chose qui nous donne un nouveau programme, un nouvel agenda. Il a été conçu avec les partenaires. Les interprètes sont désolés, le son est parti. Ah, il fallait que ça tombe sur moi, il fallait que ça m'arrive. Vous êtes de nouveau. Alors, je reprends au début. Merci Stéphania, merci à tous les présentateurs au nom du Conseil des ministres du Canada. C'est un plaisir, un honneur de vous accueillir pour le lancement de ces nouveaux rapports de l'UNESCO sur le BBE inclusive. Ça va constituer le socle de ce GPS, ce nouveau cadre, cette nouvelle stratégie de partenariat qui a été prévue avec les États membres de l'UNESCO et les partenaires en matière de développement, surmonter les obstacles pour offrir tous ces services pour la petite enfance notamment, et nous sommes partenaires de l'UNESCO et sommes là pour faire en sorte que les pays membres investissent dans le CCE. Nous sommes même plus à 10 ans de 2030 et encore aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à une éducation de qualité. Outre cet appel à la mise en place d'un plan d'action du PPE, il y a cette nécessité qui a été reconnue d'au moins un an d'enseignement pré-primaire. C'est quelque chose qui est essentiel en s'appuyant sur des critères d'inclusion avec une collaboration accrue avec les ONG. Le Canada y travaille avec ses partenaires à part la nouvelle stratégie de partenariat. Nous n'arriverons pas à atteindre ces objectifs si nous travaillons en silo. Comme l'a dit l'UNESCO, nous devons travailler en partenariat avec d'autres secteurs pour atteindre l'ODD 4. Tous aujourd'hui, y compris les représentants du gouvernement, la société civile et les bailleurs de fonds, partagent cette responsabilité d'atteindre cette politique, donc cet objectif d'ici 2030. Il faut des politiques et des débats au niveau local, régional, national sur la mobilisation des ressources, sur la façon de renforcer les efforts collaboratifs pour mieux avancer vers un monde post-COVID plus durable et plus solidaire. Alors, nous avons pour ce GPS, nous avons des recommandations. Si nous n'avons pas cette éducation, si ce n'est pas bien dès le départ, si on se trompe
en démarrant, nous n'aboutirons pas. J'attends avec impatience le débat d'aujourd'hui pour justement faire en sorte que nous progressions tous ensemble dans la bonne direction. Merci. Merci, Monsieur le ministre, de vos observations très pertinentes et qui plantent bien le décor. Alors, cet après-midi, nous, ministre de l'Éducation du Libéria, professeur Sonny, nous avons également parmi nous Nirmala Rao, qui est à Hong Kong et qui va nous parler de ce que vous faites dans votre pays pour faire progresser le PPE dans toute la région de l'Asie du Sud-Est. Et après une série de questions, nous aimerions bien nous tourner vers le public, lui permettre d'intervenir et de poser des questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, n'hésitez pas et n'oubliez pas d'ailleurs de préciser qui vous êtes et pour quelle organisation vous travaillez. Alors, nous allons avancer avec notre ordre du jour et Monsieur le ministre, Monsieur Simpson également, vous allez, enfin, on va vous poser quelques questions. Donc, pour commencer, Monsieur le ministre, vous voulez vous poser une question qui concerne le PPE inclusive. Et ce que fait le Canada pour identifier la diversité des enfants, leurs besoins divers et variés, et notamment ceux qui souffrent de handicap au Canada. Merci, Sarah. En préambule, je voudrais vous dire que l'éducation, c'est la prérogative de chacune de nos provinces et territoires, qui sont au nombre de 13. Donc, chacun a son ministre ou sa ministre responsable de l'éducation. Nous siégeons ensemble au CIMEL, le Conseil des ministres de l'éducation, pour définir les priorités, y compris la petite enfance. Nous avons toutes sortes de programmes qui sont conçus pour être inclusifs et promouvoir une éducation de qualité. Et notamment, il s'agit de répondre aux besoins des enfants qui se manifestent dans les premières années, dans les petites années. Les IEP, les plans d'éducation, sont créés en collaboration entre les enseignants, les éducateurs, le personnel logistique et les familles. Ces IEP donnent des informations détaillées sur chacun des besoins spécifiques d'apprentissage de ces enfants. Ce sont des plans donc spécialisés et qui peuvent vraiment aider les enfants avec des besoins spécifiques. Sont des plans d'inclusion, d'intervention qui reconnaissent ou identifient les besoins et qui peuvent être ensuite utilisés par les familles comme ressources pour optimiser les besoins des enfants et les réalisations. Il y a également des évaluations dans la petite enfance au Canada. Ça donne des indicateurs sur le développement individuel de chaque enfant, donc 5 domaines. Conscience de soi et de l'environnement, compétences sociales, capacité d'apprentissage, capacité de connaissance, langage, communication, développement physique. Et ça permet de voir quels sont les problèmes, handicap physique ou mental, pour agir rapidement, pour permettre plus vite à l'enfant d'avoir accès à ces services spécialisés, ces capitales. Au Québec, par exemple, eh bien, on reconnaît que le succès en matière d'éducation a une signification différente selon les besoins, selon les enfants. Il faut adopter des méthodes tout à fait adaptées justement pour les enfants en fonction de leur situation. La prévention, l'intervention rapide est très importante. Dans les territoires du Nord-Ouest, nous aidons les enfants à l'école pour justement encourager des pratiques universelles d'inclusion pour promouvoir une éducation inclusive de qualité et venir directement en aide aux enfants dans le cadre de ces programmes et du système public d'éducation. Je vous ai dit, il y a 13 provinces, États, donc chacun a son programme. Je pourrais continuer encore longtemps, mais voilà, c'est une présentation
général. Merci de cette réponse extrêmement complète et qui nous donne une bonne idée de la façon dont on peut considérer les enfants, les aider ainsi que leur famille pour faire en sorte que les systèmes éducatifs dans lesquels qu'ils rejoignent sont vraiment le reflet de leurs besoins et de leurs talents. Je vais maintenant donner la parole à Nirmala Rao. Alors, Nirmala, on nous a dit que l'accès à une éducation de qualité le plus tôt possible, c'est essentiel pour ensuite se développer au mieux, développer son potentiel. Alors, vous êtes en Asie du Sud-Est, vous avez des enfants qui ne sont pas tous scolarisés, et ceux qui sont scolarisés sont souvent les plus riches. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques dans votre région et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller à l'école? Merci, je suis ravie de participer à ce forum. Dans de nombreuses régions du monde, et notamment en Asie du Sud-Est, la problématique, c'est justement l'accès à l'éducation préprimaire. D'emblée, il faut savoir que nous sommes une région très grande, très diverse, qui regroupe 48 pays, tous très différents en taux d'inscription dans le préprimaire et très différents également dans la façon dont le niveau de richesse de la famille va impacter la scolarisation. Exemple, la Thaïlande, un taux d'inscription une année avant le primaire obligatoire de 98%. Et la différence entre les familles les plus riches et les plus pauvres, c'est 3%. Au Pakistan, par contre, les plus riches et les plus pauvres les plus riches, c'est 61% pour tous, mais parfois on a des régions où l'écart est très important au niveau d'inscription, du taux d'inscription entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, les défis en matière de politique éducative, vous me posez la question pour ma région. Là encore, c'est la diversité qui est importante dans notre région, car nous avons Australie, la Nouvelle-Zélande, pays à haut revenu, des pays extrêmement peuplés, grande densité et des pays qui ont moins de 20 000 habitants. Donc, la diversité, on la retrouve également là dans les taux d'inscription, dans la mise en œuvre des infrastructures éducatives, des structures, etc. Le grand défi pour nos décideurs, c'est mettre en œuvre des politiques qui soient adaptées sur le plan contextuel, mais également qui répondent aux vraie situation sur le terrain local, etc. Alors, il y a plusieurs défis pour nous. Tout d'abord, pour les groupes qui n'ont pas beaucoup d'enfants qui vont à l'école, il faut accroître, améliorer l'accès. Il y a des enfants qui sont en zone rurale, dans des minorités ethniques ou qui souffrent de handicap. On en a parlé. Deuxièmement, il faut améliorer l'enseignement pour tous les enfants. Il faut améliorer les compétences des enseignants, l'environnement physique, les programmes, etc. Troisièmement, il faut adopter une approche systémique qui regroupe tous les volets de la vie d'un jeune enfant, y compris le suivi et la surveillance pour que tous les enfants puissent bénéficier de cette éducation de la petite enfance de qualité. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse quant à la situation de l'Asie du Sud-Est. Je reviens vers Monsieur le ministre, Monsieur Simpson, une question que j'ai vue passer et qui revient dans le chat, c'est-à-dire les personnels, ceux qui sont en première ligne de l'éducation. On sait que c'est essentiel. Et le rapport GEM, le document politique, dit que ces personnels sont rarement préparés aux pratiques de l'inclusion. L'inclusion, c'est quelque chose qu'on va rajouter souvent après coup dans les programmes de formation. Qu'a fait le Canada pour avoir des personnels, des intervenants qui sont formés à l'inclusion? Car c'est un problème non seulement pour ceux qui sont en train d'être formés à l'heure actuelle sur le terrain, mais pour ceux aussi qui seront
former ultérieurement, alors que le pré-primaire et le primaire vont se développer dans la décennie à venir. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, effectivement, il faut former et il faut continuer à former pour répondre aux besoins des enfants. La plupart des provinces et territoires du Canada exigent une formation très diversifiée, tenant compte, par exemple, des enfants à besoins spécifiques ou des questions linguistiques, langue maternelle, deuxième langue, etc. Et il faut également tenir compte des spécificités de l'établissement, l'école, le conseil, voilà. Donc, je vais prendre l'exemple de mon territoire. Nous avons 50% de population autochtone, avec donc qui constitue la majorité des étudiants à l'école, avec une culture autochtone. Et les enseignants qui arrivent ne viennent pas de là. Ils viennent d'autres régions du Canada, beaucoup plus peuplées, etc., et culturellement très différentes. Donc, il faut qu'ils connaissent cette culture locale, celle de leurs élèves autochtones, pour pouvoir bien travailler avec leurs élèves. Et dans les provinces et territoires, en général, la formation des maîtres se fait grâce à la direction de l'école, les principaux établissements, diverses structures au sein de l'école et des lignes directrices en matière d'inclusion. Il y a des ressources disponibles aux éducateurs. Le département de la petite enfance New Brunswick a créé une structure pour l'autisme qui forme qui forme les intervenants avec la participation des parents également pour traiter tout le spectre de l'autisme. Et il y a un autre exemple, province de l'Ontario, il y a en matière de PPE, un document qui présente les grandes lignes de l'EPPE, des programmes mis en œuvre, enfin conception, mise en œuvre, évaluation. On y parle de l'importance du langage de l'éducateur ou du formateur et des problèmes de handicap. Autres provinces, on veut un document qui dise que quelle que soit la race, le genre, le sexe, l'ethnicité, etc. de l'élève, il faut que tous et leur famille aient accès à des expériences d'enseignement. Le territoire du Nord-Ouest, nos lignes directrices sur comment gérer ces écoles, le programme, eh bien, on reconnaît le rôle essentiel des familles dans tout le parcours éducatif de l'enfant. Il s'agit également de faciliter l'accès à des programmes post-secondaires pour la transition vers le travail, le marché du travail, pour ensuite comprendre donc et pour comprendre ces maîtriser ces environnements d'apprentissage qui doivent être inclusifs pour tous les enfants. Et nous nous concentrons notamment sur comment augmenter le nombre d'éducateurs de petite enfance dans notre territoire. Nous reconnaissons qu'il n'y en a pas assez. Nous avons besoin de plus d'espace, mais également de plus d'enseignants et d'aidants afin de pouvoir atteindre ces enfants qui, à l'heure actuelle, ne reçoivent pas ces services et qu'ils aient un environnement d'apprentissage enrichi. Et comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup différents projets, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait que vous avez parlé des communautés autochtones, l'importance des travailleurs, des enseignants, non seulement la formation, mais également qui sont-ils. Il est important de s'assurer que les professionnels de l'éducation à la petite enfance sont divers, qu'ils incluent des personnes de toutes les communautés, et pour aller même un peu plus loin, que ces professionnels, ils doivent
Il devait vraiment être compensé à un niveau acceptable. Souvent, on sait que les professionnels de la petite enfance sont moins bien payés que ceux qui sont enseignants pour des âges plus avancés. Passons désormais à une autre question à nouveau pour la professeure Rao et qui concerne la collaboration intersectorielle qui est importante pour une inclusion au niveau de la société. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant votre travail avec le réseau pour la petite enfance de l'Asie-Pacifique et comment vous avez réussi à rassembler des experts de santé, d'éducation, de protection sociale de nombreux pays afin d'évaluer les politiques, gouvernance et le financement de développement de la petite enfance? Et quelles sont les leçons que vous avez pu tirer pour d'autres régions et qu'avez-vous réussi à faire? Merci. Notre réseau de la région Asie-Pacifique a eu trois forums de politique très intéressants et très utiles. Ils ont été organisés par l'UNESCO, l'UNICEF et d'autres partenaires tels que l'OSF, d'autres gouvernements qui ont accueilli ces forums. Ils ont permis aux décideurs politiques de haut niveau des pays d'Asie-Pacifique de venir partager leurs connaissances et échanger sur les stratégies pour augmenter l'accès à l'EPPE et en améliorer sa qualité. Ils ont également discuté d'approches innovantes pour améliorer l'équité et l'accès à un EPPE de qualité. C'est ce qui est important concernant la discussion d'aujourd'hui ou de ce soir pour moi, qui est qu'on ne veut pas que les enfants de familles les plus pauvres aient des services de mauvaise qualité et les enfants de familles riches aient des services de haute qualité. Voilà pourquoi l'équité est un point important. Nous avons eu trois forums jusqu'à présent en République de Corée, en Malaisie et au Népal. Le dernier a dû être reporté à cause de la COVID. Il me semble que ces forums ont été extrêmement importants et ils ont une grande influence. Ils ont permis à de nombreux ministères de s'impliquer. Comme vous le savez, les services de petite enfance sont en général de la cabine de plusieurs ministères. Il y a des systèmes de séparation des ministères, également d'âge. Et donc, il est important de rassembler ces décideurs politiques de différents ministères, de différents pays. Et les leçons que nous pouvons tirer de ces forums, c'est tout d'abord qu'ils ont été une plateforme de grande qualité pour partager, pour le partage entre les pays. Ils ont offert des opportunités de partage des meilleures pratiques, des pratiques intéressantes. Ils ont permis aux pays d'apprendre les uns des autres. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Si on entend parler d'une pratique qui est bonne, qui est efficace et qui améliore l'accès à l'éducation pour la petite enfance, alors on peut la mettre en œuvre dans son pays. Ces forums ont rassemblé des représentants de politiques de nombreux pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu entre 28 et 31 pays représentés avec des ministres, des vice-ministres de nombreux pays. Une autre leçon nous vient des sujets qui ont été abordés. La préparation à l'inclusion, l'équité, l'ODD 4 et la cible 4.2. Ces sujets sont cruciaux et importants à notre séminaire d'aujourd'hui. Ces forums ont également mené à des déclarations. Déclaration de Putrajaya et de Katmandou, qui sont des déclarations qui ont été signées par les ministres et les délégués de haut niveau, et cela représente leur engagement. Pourquoi cela est-il important? C'est que ce ne sont pas des événements isolés. Ces événements se répètent tous les 2-3 ans. Et donc, ce qui a commencé à Katmandou, c'est une évaluation du progrès. Que s'est-il passé? On s'était engagé à faire ceci, cela. Qu'a-t-il été fait? Et donc, il ne s'agit pas de faire les choses de façon isolée. Il s'agit de démontrer un engagement continu pour améliorer l'accès et l'équité de l'éducation de la petite enfance. Voilà, merci. Merci, merci infiniment, professeur Rao.
Malheureusement, j'aimerais signaler que le ministre de l'Éducation du Liberia, le professeur Sony, n'a pas pu se joindre à nous à la dernière minute aujourd'hui. Donc, nous pouvons continuer et ouvrir le panel aux présentatrices, aux expertes qui nous ont présenté les rapports plus tôt dans ce webinaire. Donc, Anna Bagana, Carmen, je vous invite à nous rejoindre dans cette session et nous allons vous poser des questions, certaines que nous avons préparées, mais également certaines que nous allons chercher dans l'onglet questions-réponses, donc les questions que les participants ont pu poser. Ma première question se dirige pour Anna et concerne le rapport GEM. Ce rapport montre que de nombreux enfants n'ont pas encore accès à une éducation de qualité et équitable. Dans ce contexte, cela implique des activités non étatiques. Il y a de nombreux acteurs non étatiques dans ce domaine. Ce n'est pas toujours des services qui sont gérés par les systèmes gouvernementaux nationaux. Pouvez-vous nous en apprendre plus sur l'équité et l'accessibilité et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation à la petite enfance, tout particulièrement dans le contexte d'efforts à des services universels? Merci, Sarah. C'est une question très, très intéressante. En effet. On ne vous entend pas très bien. Peut-être que votre micro est loin de votre bouche. Oui, oui, c'est très bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, super. Merci. Désolé. Donc, je disais, c'est une question très importante. Nous avons entendu de la part de nombreux intervenants aujourd'hui que l'éducation de la petite enfance n'est pas une réalité encore pour de nombreux, nombreux enfants à travers le monde. Et ce n'est pas forcément la faute de l'État. Parfois, il n'y a tout simplement pas les structures qui existent. Cela relève parfois des familles et des parents qui doivent fournir cette éducation. Et donc, lorsqu'on parle des acteurs non étatiques, il faut faire attention. Il y a une grande gamme d'acteurs, de parties prenantes, et le prochain rapport du GEM 2022, qui sera publié en décembre, s'intéresse à cette question en profondeur. En ce qui nous concerne aujourd'hui, certes, dans de nombreux pays, la plupart de ces services, notamment pour les bas âges, 0 à 2 ans, sont fournis par des acteurs non étatiques. Mais cette expression « acteurs non étatiques » peut avoir de nombreux sens. C'est peut-être des prestataires privés, ça peut être des ONG, mais ça peut aussi être les membres de la famille. Il est donc difficile d'avoir une vision, une évaluation globale en termes d'équité et de qualité. Dans de nombreux cas, par exemple, la question de la qualité, notamment dans les pays à revenus faibles, se lie à la question du prix. S'il y a des prestataires privés qui offrent une éducation à la petite enfance, dans de nombreux cas, cette éducation est payante, ce service est payant, et donc cela soulève un risque d'équité. Car, encore une fois, les parents les plus démunis, les enfants les plus démunis sont laissés de côté. Dans de nouveaux pays, il y a ce mouvement vers une éducation de la petite enfance gratuite, au moins pour quelques années, et c'est un point très important concernant ce sujet. Et puis, à la fois, il faut également comprendre que dans certains contextes, comme des contextes humanitaires, ce sont les ONG qui, souvent, offrent ces services d'éducation aux jeunes enfants. Et ces services sont offerts de façon assez souple. Ces ONG peuvent s'adapter plus facilement à la situation et au contexte. Donc, pour faire court, oui. Comme je l'ai dit déjà dans ma présentation, les acteurs non étatiques sont de plus en plus nombreux dans le cadre de l'éducation à la petite enfance. Par exemple,
dans 33 pays à revenu élevé où les données sont disponibles, ces acteurs représentent 57% des acteurs et souvent ce sont des organisations à but non lucratif qui sont responsables de cette prestation de service, comme par exemple des ONG. Et donc il y a une hétérogénéité des acteurs et également une hétérogénéité de la qualité qui est offerte. Tout particulièrement lorsqu'il y a cette question des prestataires privés qui, encore une fois, offrent ce service, mais qu'il est payant. C'est un véritable problème. Dans notre contexte, dans des contextes, par exemple, de crise humanitaire, les questions c'est la rapidité. Et la souplesse des acteurs non étatiques qui permettent d'offrir ce service. Et certains États intègrent ces acteurs dans leur programme, dans leur plan d'éducation. Il a été dit pendant la présentation, j'aimerais le souligner à nouveau, lorsque l'on parle d'éducation et de protection de la petite enfance, on parle généralement qui vont de 0 à parfois 8 ans. C'est donc large et donc il y a de grandes différences entre les approches de différents pays et puis il y a question de différents ministères également. Il a été dit déjà que les ministères en charge de cette éducation et de protection de la petite enfance pour l'âge de 0 à 2 ans sont les ministères de politique sociale. Et donc, il faut mieux comprendre les points de transition où il doit y avoir une meilleure connexion, une meilleure transition. C'est très important de parler des différences, de l'hétérogénéité des acteurs, mais également entre les différentes agences gouvernementales qui sont impliquées dans le PPE. Merci beaucoup. Il me semble que il est tout à fait vrai que ce n'est pas que le système éducatif formel qui doit offrir des services d'éducation à la petite enfance. Et parlons désormais d'un autre groupe dont nous n'avons pas encore beaucoup parlé dans nos questions, mais qui pourtant est tout à fait central dans la vie des enfants. Et il s'agit des parents, des familles. Et c'est une question qui a été posée dans les questions-réponses. Et donc, j'aimerais demander à Dragana de répondre à la question suivante. C'est un beau moment dans ces premières années où les parents sont très impliqués dans le développement de leurs enfants. Lorsqu'on pense à l'éducation tout au long de la vie, cette phase est très importante, très unique. Comment les systèmes éducatifs et de santé utilisent la connexion entre ses parents et s'en servir pour optimiser le développement des enfants? Merci beaucoup pour cette question. C'est une excellente question qui va permettre d'ouvrir notre discussion à l'importance du rôle des parents pour soutenir le développement des jeunes enfants. Tout d'abord, les enfants apprennent mieux lorsque l'apprentissage vient d'adultes qu'ils connaissent, dans un contexte qu'ils connaissent. Et donc, les parents sont les premiers éducateurs des enfants et les plus intéressés, sûrement, dans le développement et le bien-être des enfants avant même qu'ils commencent l'éducation préprimaire. Les systèmes éducatifs devraient profiter de cette aspect unique du développement des enfants qui offre de nombreuses opportunités qui doivent être utilisées et c'est dans l'intérêt des parents de soutenir leurs enfants dans ce processus. Tous les parents ont besoin de soutien dans l'éducation des enfants, mais certains parents ont besoin de tout le soutien dont ils peuvent bénéficier, des professionnels. Et il a déjà été dit plusieurs fois dans notre webinaire d'aujourd'hui que l'éducation à petite enfance est une approche qui doit être intersectorielle. Les secteurs doivent travailler ensemble, notamment pour les besoins des enfants qui sont en risque de retard scolaire
ou qui ont des difficultés déjà identifiées. Il faut travailler ensemble et travailler avec les parents. Il faut coordonner le travail, les parents collaborer, mais surtout, il faut établir un véritable partenariat avec les parents. Les parents doivent être des partenaires. Il faut reconnaître leurs valeurs, leurs connaissances. Ils sont des experts en ce qui concerne leurs propres enfants. Il faut les aider à apprendre sur les attitudes, les croyances culturelles. Et les priorités des enfants doivent être reconnues et doivent être accueillies dans le monde de l'éducation et dans tous les secteurs. Lorsque les enfants ont des difficultés qui sont identifiées de façon précoce, l'approche doit se baser sur la famille, car il y a de nombreuses données qui montrent que les programmes qui fonctionnent le mieux sont ceux qui soutiennent le rôle des parents dans le développement des enfants et les interactions entre les parents et les enfants dans un contexte familier, c'est-à-dire dans le foyer, et également dans des contextes scolaires où ils sont entourés d'enfants dans des situations similaires. Et cela permet aux parents d'établir un lien fort avec leur enfant. Il est important de le dire. L'éducation à la petite enfance est la base de l'inclusion tout au long de la vie. Et ce n'est pas le travail de une ou deux heures par semaine. Lorsque les professionnels rendent visite aux familles, le temps entre les visites est extrêmement très important. Et donc, les parents doivent se sentir comme étant des partenaires. Et les parents peuvent jouer un rôle à la maison pour leurs enfants, car ça apporte une certaine prévisibilité pour les enfants. Et c'est là la clé pour permettre des opportunités aux enfants dans leur développement. Merci beaucoup, Dragana, pour cette réponse très complète sur le lien entre les parents et les enfants, les différentes opportunités. Alors, moi, je voudrais poser une question que je vois qui revient beaucoup, qui a été posée dans la partie Q&A et puis également sur le chat, à savoir, dans l'Asie, dans le Pacifique, Asie du Sud-Est, de façon plus générale, quelles sont les stratégies, selon vous, qu'il faut utiliser pour faire que les systèmes, les programmes prennent en compte des systèmes qui tiennent compte du jeu, la dimension ludique, le développement émotionnel, etc., et pas juste une acception réduite du terme et du concept. Oui, alors, on part du principe que le développement de la petite enfance est quelque chose d'holistique et tous les gouvernements, enfin, moi, ce que j'ai vu, prévoient des lignes directrices de programmes qui ont cette approche holistique, donc très systémique. Vous voyez, les lignes directrices, les orientations des pays, c'est toujours holistique, c'est toujours basé sur le jeu. Mais dans la pratique, il en va différemment et on ne suit pas forcément les consignes ou les lignes directrices. Un exemple, dans ma région, nous avons beaucoup d'écoles privées, donc gérées par des intervenants ou des parties prenantes non gouvernementales, non État. Et ce que veulent faire les écoles, c'est de répondre aux desiderata des parents. Et en Asie, en Asie du Sud-Est, eh bien, on parle toujours des trois matières principales, lire, écrire, compter, et ils veulent que tout ceci soit enseigné en anglais, etc. Et ce n'est pas du tout ce qu'on trouve dans les lignes directrices. Dans les lignes directrices, on va dire qu'il faut tenir compte du développement social, physique, émotionnel, moteur, les capacités cognitives, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses.
Alors, le mot important, c'est système. Il faut des systèmes de suivi d'inspection systémique du système avec le soutien des écoles. Beaucoup de pays à revenu moyen ou faible revenu ont beaucoup d'écoles qui ne sont même pas inscrites ou sous contrat avec l'État. Il faut qu'il y ait donc des exigences dans ce domaine pour que les écoles soient inscrites, enregistrées, soient ensuite évaluées. Ces écoles, elles doivent être encouragées à passer une approche basée sur le jeu, sur la dimension ludique. Dans notre région, on parle toujours de la qualité, des normes de qualité en matière de qualification des enseignants, environnement d'enseignement, etc. Mais il faut ensuite que ces normes soient évaluées à l'aune de ce qui se fait. Donc dans les pays à revenus élevés, il y a ça, c'est ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on évalue par rapport aux besoins. Ensuite, il y a la formation des maîtres. Nous avons une pénurie d'enseignants qualifiés. Donc, il faut soutenir ces enseignants avec des formations tout au long de leur carrière, etc. Alors, on sait parfois aussi que la taille des effectifs, souvent, les tailles des classes sont telles qu'on ne peut pas mettre en œuvre cette approche holistique. Il faut aider les enseignants à enseigner en fonction de ce concept du jeu, mais pour ça, il faut que les salles de classe soient gérables, les effectifs et les ressources nécessaires. Et enfin, je reviens sur ce qu'a dit Dragana à l'instant, il faut éduquer les parents par les médias, montrer que ces approches basées sur le jeu, c'est ce qui va marcher le mieux pour leur enfant et que ça correspond à ce qu'il faut pour leurs enfants et que si les enfants sont bien formés au départ, ensuite tout ira bien pour eux. Donc voilà le genre de stratégie qu'il faut déployer pour avancer. Une dernière chose, il faut que les enfants soient prêts à aller à l'école. Et pour ce faire, il faut que les écoles aient les programmes nécessaires. Merci. Je vais donner la parole à Carmen pour répondre à cette question avant que d'écouter les conclusions de l'UNESCO. C'est une question très importante, Carmen, n'est-ce pas? Les conclusions de ces deux documents, comment vous pensez que cela peut peser sur les deux rapports qui vont, les deux initiatives qui vont être lancées cette année? Alors, vous êtes également la présidente de la chaire de l'UNESCO, donc vous avez certainement des éléments de réponse à nous apporter. Il faut mettre à disposition des connaissances que nous maîtrisons et ces expériences. Nous avons trop souvent des écarts entre les concepts et la réalité. L'interprète est absolument désolé, mais le son est de très, très mauvaise qualité. Nous devons tenir compte de ces réalités qui sont complexes, mais comment contribuer en tant que chaire de l'UNESCO? Eh bien, il y a deux aspects à prendre en considération, transfert des connaissances et puis ensuite la formation. Concernant la recherche, activités de recherche, plusieurs sont consacrées au développement de ces pratiques. Alors, les politiques, le leadership, les pratiques collaboratives, les pratiques éducatives, tout ceci est pris en compte, mais beaucoup de ces activités font partie du partenariat. C'est un espace d'innovation où vous avez un groupe de partenaires qui ensuite, ensemble, participent au développement de ces pratiques. Et ça se fait dans un contexte réel. Ça, c'est très important. Ces communautés de pratiques sont en interaction constante avec les chercheurs pour découvrir, développer des solutions innovantes. Beaucoup de membres des chaires de l'UNESCO
ont mis au point des interventions, des techniques de dépistage, etc. pour les parents, pour les éducateurs et travaillent au quotidien avec les enfants. Le réseau des chaires de l'UNESCO de recherche internationale, justement, offre ces possibilités, pouvoir parler de l'adaptation nécessaire lorsqu'un instrument est utilisé dans un contexte qui est différent de celui dans lequel il a été conçu initialement. Là encore, le maître mot, c'est l'adaptation. On travaille également sur l'évaluation de l'inclusion. On manquait de données pour voir comment se situait l'inclusion dans la petite enfance et l'évaluer. Les équipes doivent toujours songer à qu'est-ce qui est vraiment nécessaire, de quelle information a-t-on besoin pour agir. À propos des autres aspects, transfert de connaissances et formation initiale et continue sur les plateformes numériques et les pratiques inclusives dans des structures pédagogiques pour les enfants, tout cela est en train d'être mis au point. Le contenu numérique de ces projets est en train de progresser en partenariat avec des pays comme le Sénégal, notamment. Et c'est un espace, une plateforme en ligne où on peut partager des informations et ça va être utilisé également par les partenaires locaux pour interagir les uns avec les autres, pour partager, collaborer dans le développement numérique de contenu pédagogique. Merci, merci infiniment à vous. Merci Carmen. Merci à toutes et tous pour vos interventions, vos questions. Merci, Monsieur le ministre Simpson, qui nous a rejoint depuis le Canada. Et c'est moi qui vais maintenant clore. Et ce n'est pas une tâche enviable parce que je vais essayer de résumer tout ce qui a été dit en 90 minutes, mais je ne vais pas le faire. Tout d'abord, je vais donner la parole à Chang Guan-Chol, chef de la section politique éducative de l'UNESCO. Merci. Merci, Sarah. Comment résumer une heure et demie de débat, d'échanges si riches et de présentation? Et je sais que je n'ai que deux ou trois minutes. Alors, quelques éléments de réflexion qui me sont venus en écoutant tout cela. Trois ou quatre réflexions, axes de réflexion. Nous avons dégagé des zones d'accord autour de certains points. Nous sommes d'accord pour dire que nous devons agir sur un certain nombre de fronts, de points. Tout d'abord, construire, renforcer des politiques inclusives concernant la petite enfance. Nos actions doivent s'appuyer sur les faits, sur des conclusions concrètes de recherche. Troisièmement, les programmes et la pédagogie, tout ceci doit correspondre aux vrais besoins des enfants, leurs conditions d'apprentissage, leurs aptitudes d'apprentissage. Et concernant notamment la petite enfance, il faut absolument une approche intersectorielle, multipartite, multiperspective, avec l'implication évidemment des pouvoirs publics, mais également de l'ensemble de la société dans un esprit collaboratif. Ensuite, autre élément, l'importance d'accompagner les enseignants pour qu'ils puissent ensuite pratiquer une pédagogie inclusive. Et enfin, toutes sortes d'expériences qui existent, qui ont été menées, dont on peut s'inspirer dans les pays, auprès des communautés concernés. Voilà où nous en sommes. Je crois qu'il y a un faisceau d'accord hein, qui se dégage entre tous les participants, les intervenants autour de ces questions. Investir dans la petite enfance, bien, c'est quelque chose qui paye. On en ressent les bénéfices tout au long de la vie. Et malheureusement, on n'investit encore pas suffisamment dans la petite enfance au niveau des régions, des pays, sur la scène internationale. Et puis, il y a quelques statistiques aussi dont nous avons parlé, que nous avons citées. On voit que les progrès à accomplir sont encore nombreux. Il faut évidemment pas que l'arbre cache la forêt. Il y a encore toutes sortes de défis qui se posent à nous, que l'on n'a pas relevés.
notamment les enfants avec des handicaps, les enfants vulnérables, les enfants avec des handicaps, ceux qui viennent de zones défavorisées, etc., notamment dans les pays à faible et à moyen revenu. Donc, tous ensemble, nous devons agir. On a partagé avec nous des expériences qui ont été menées au sein de l'UNESCO en matière pédagogique. Il y a eu toutes sortes d'expériences qui ont été menées au Canada, notamment pour faire progresser ces politiques d'éducation, d'équité inclusive et en partenariat, en association avec la société civile, les bailleurs de fonds, pour mobiliser tout un chacun, que chacun s'aide et aide les autres en même temps et s'accompagne mutuellement pour nous faire progresser. Merci, professeur Rao. Vous avez effectivement cité plusieurs expériences très intéressantes en Asie, en Asie du Sud-Est. Vous avez parlé des réseaux. Madame Rao, le professeur Simpson également nous ont dit que pour adresser tous ces défis, il faut faire feu de tout bois. Si vous voulez, il faut s'attaquer à plein de choses à la fois. Les structures d'enseignement, les professeurs, il faut impliquer tout le monde, y compris les familles et les communautés où se trouvent ces enfants. Donc, je n'ai pas et je ne voulais pas résumer tout ce qui a été dit. J'ai essayé de faire ressortir simplement certains mots clés qui, pour moi, étaient vraiment très importants dans tout ce qui a été dit cet après-midi. Et il faut vraiment accorder la priorité à ces enfants qui ne sont pas les enfants ordinaires, ces enfants avec des besoins spécifiques, les enfants handicapés, etc., vulnérables. Et le PPE, l'éducation et la protection de la petite enfance, c'est quelque chose qui concerne non seulement l'apprentissage que les enfants apprennent, mais également leur bien-être, leur santé, tout ce qui va les accompagner tout au long de leur vie. Et c'est ça qu'on doit mettre au service des enfants, avec les enfants, pour les enfants. Merci infiniment. Pour moi, ceci clôt un dialogue qui a été très riche. Nous allons maintenant pouvoir nous appuyer sur ces publications pour aller plus loin. Merci, cet effort va se poursuivre. Et merci mes chers collègues et je vous dis bonne soirée. Thank you so much to our audience for joining us today. Merci infiniment à tous nos auditeurs, tout le public. N'hésitez pas à télécharger les rapports et à les lire pour faire progresser effectivement la petite enfance et une éducation inclusive et de qualité. Merci. Bonne soirée où que vous soyez. À bientôt.